qu'est-ce que c'est que de vivre avec un ado attardé pendant 10 ans? Un jour, peut-être, je sais pas, que j'aurais envie de fonder une famille. Et on fait pas un enfant avec un enfant. Merde. Un vrai mec, c'est un mec qui a un boulot, un minimum d'ambition. Ouais, du coup, on fait pas l'amour. Hein. Bon, j'ai décidé de monter une crèche à domicile. Bon, t'es sympa avec tes conneries, mais j'ai du boulot, moi, ok? Faut pas laisser votre enfant ici. Hein. Vous savez, les crèches, ils font 8h-21h, ça court pas les rues. Hein. Vous 21h, je pense vraiment que t'as bien fait d'arrêter d'attendre qu'ils grandissent. Mais c'est mon frère. Mais il y connaît rien en éducation. Arrêtez. Allez, démerdez-vous. J'espère que vous aimez ça, le McDo, parce que vous allez en manger tous les jours. Oh, putain. Oh là, t'es un porc. Termine ce soir-là. Mais pourquoi? Ah, parce que sinon, je balance la vidéo du bébé qui a failli tomber à tous tes clients. Hop là! Si tu fais ça, moi je balance sur Internet le film qu'on a fait l'été dernier en Espagne. Oui, le rafting? Non, le fucking. Le fucking, motherfucker! Il y a des techniques pour endormir les bébés, tu savais ça? Les somnifères? Pas du tout. Faut les sortir, faut qu'ils se dépensent. Emmène-les au parc! Vous voulez toujours pas faire la sieste? Eh ben alors, on continue à courir. Encore 5 km et on rentre. Qu'est-ce qu'un type comme toi peut apprendre à des mioches? Il est pas si immature que ça, ton mec, hein? T'as Hanouna, parce qu'il fait que brailler. Et le petit là-bas, c'est comment? Justin Bieber. Ah oui, pour la mèche? Non, parce qu'il fait que de la merde. Ouais.